Et si on jetait un coup d'œil sur Aya? Non, sur Sur Aya, Maxime. encore? Sur Maxime, pardon. Sur Oh, Maxime. excusez-moi, c'est l'heure. Sur Maxime. Alors, Maxime, plutôt pirate, hacker ou tolard? Hacker. Ok, Maxime, tu es le premier à te jeter dans un cercueil dans lequel il faut s'allonger, sur un tangram, ou les énigmes de déduction comme un arbre généalogique à reproduire. Sur le cercueil, je dirais. Ok, dans le cercueil, attention. Ouais. Ni dans le cercueil, ni dans le cercueil. On me jette dans le cercueil. Quelle salle tu réserverais tout de suite? Un scénario dans lequel on te demande d'apporter tes affaires de piscine et il faut savoir nager, une cuisine magique dans l'espace ou une salle sur laquelle tu ne sais absolument rien et qui s'appelle X? La dernière, celle où je sais rien. Ok, nice, merci. Hop. Oui, c'est vrai que l'inconnu, moi, ça j'aime bien, quoi. Je trouve ça sympa, une salle où on sait rien. Mais nager, ça vous est déjà arrivé dans une. Parce que je sais qu'il y avait deux salles qui ont proposé quelque chose, dont à Nantes, sur, avec de l'eau et de la piscine. Ça vous est déjà arrivé, ce genre de. Non. Non, mais j'aimerais bien. C'est le sportif qui parle. Ouais, c'est peut-être plus le sportif Si, qui à parle. Coezio, on a nagé dans une piscine à boules. Ah oui, à Freeing aussi, moi. C'est vrai que des piscines à boules, ça, c'est sympa. Et donc, comme ça, tu vois des cercueils qui traînent, toi, tu t'y jettes, pas de problème, Maxime? Ouais, il n'y a pas de souci. Bah, on a fait l'expérience, hein, on avait fait une salle où il y avait un cercueil et il fallait sacrifier quelqu'un. Et après, il fallait sacrifier quelqu'un d'autre, et je sais pas pourquoi, je sens que tu as sacrifié ta femme. Ouais, bah j'ai craqué devant le démon, mais Mais bon. Et du coup, pour aller un peu plus loin, parce que ça va faire longtemps qu'on se parle, hein, c'est fou. Est-ce que pour vous, il y a des codes qui doivent être suivis dans un escape? Il y a des trucs qui, il faut que ça y soit, sinon pour vous, c'est pas un escape. il y a une histoire. Faut qu'il y ait une histoire absolument, sinon c'est pas un escape. Quoique, il y a des escapes où il n'y a pas d'histoire. Est-ce que c'est un escape ou est-ce que c'est une puzzle room? Est-ce que c'est une salle? Moi, j'appelle ça des puzzle rooms, les salles à énigmes. Ouais, mais le puzzle room, moi, je l'ai inclus dans les escapes. Ouais. Est-ce qu'une salle en extérieur, c'est est-ce qu'une salle en extérieur, bien vu. Est-ce qu'un jeu en extérieur peut être un escape? Non. Non. Donc, bah, pas à mon sens, parce que justement, je trouve que aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui veulent surfer sur la hype Escape Game et qui, du coup, en fait, faisaient déjà avant des chasses au trésor, des trucs d'aventure, des jeux de piste. Et ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que ça existe et qui, du coup, ont rien changé. Mais au lieu d'appeler ça chasse au trésor, ils appellent ça Escape Game. Du coup, ça y est, ça attire plein de monde. Donc, non, non, pour moi, un escape game, c'est forcément clos, ou bien c'est une immense forêt et on t'a lâché au milieu et tu dois sortir de la forêt. Mais être dans une ville et te faire faire des énigmes en ville, c'est pas un escape game. Pour moi, c'est une chasse au trésor ou un jeu de piste ou un jeu d'enquête. Alors, il y a le gérant, et je peux en parler parce qu'il a fermé depuis, le gérant de Paradox Project à Athènes, sur une petite île, nous racontait, Yo, si tu te rappelles, après cette soirée TRPK, nous racontait qu'il a créé. En fait, lui, il aime bien casser les codes. Vous avez bien vu, 3 heures à la salle, c'est parce qu'il aime bien casser les codes. Et il s'est dit, lui, il voudrait en fait faire l'inverse. Au lieu de devoir t'échapper, il faut que tu rentres quelque part. Donc son principe était là-dessus et il a fait ça dans un village sur une île grecque où les gens devaient trouver, identifier une maison et entrer dans la maison pour une raison X. Et nous, ça nous a fait un peu tilter. Il a dit effectivement, c'est arrivé une fois qu'ils se sont trompés de maison. Par contre, tous les habitants de l'île étaient adorables, ils étaient au courant, ils ont bienvenu les gens et tout. Mais je trouve que, et ça restait par contre, parce qu'il était dans le système énigme, c'était pas du tout par rapport à la ville, chasse de trésors, etc. C'était vraiment, mais le mécanisme était différent. Il fallait arriver à entrer dans une. Et je trouve ça intéressant quand quelqu'un renverse les codes dont on a l'habitude. Mais c'est vrai que. Il y a beaucoup de choses qui s'appellent aujourd'hui Escape Game qui ne le sont pas.
Et je pense que là-dessus. Par rapport aux éléments indispensables, moi je trouve qu'aujourd'hui, un escape game dans lequel il n'y a pas de passage secret ou pas une porte dérobée ou une surprise comme ça, je trouve que c'est quand même dommage. Tu vois tout dès l'entrée, quoi. Il faut avoir des choses à découvrir, effectivement. Exactement. Ouais. Il faut qu'il y ait une surprise, quoi. Oui, mais tu peux avoir des choses à découvrir que tu vois pas tout dès l'entrée, mais qui sont dans une seule salle. Par exemple, la White Room. Oui. Oui, oui, complètement. Complètement. Ouais, oui, ça, une fois que tu as éteint la lumière, elle est complètement différente. Ouais. Ou une salle à Escape Time où tu y rentres d'une certaine manière qui fait qu'une fois que tu es à l'intérieur, tu ne sais plus par où tu es rentré. Tu n'identifies pas l'entrée avant un bon paquet de minutes. Comme je pense que c'est le truc qui, moi, m'avait frappé à The Dome, c'est que tu rentres par une entrée et quand tu reviens, la porte n'est plus où elle était. Et là où il y avait un mur, il y a une porte. Et le passage par lequel tu vas passer, quand tu reviens, c'est plus le même passage. C'est ça que je trouve génial. C'est quand on joue totalement avec tes sens et avec ce que tu es convaincu de savoir que c'est comme c'est. C'est comme... Mais oui, je pense que histoire, c'est important. Les énigmes, je pense qu'il doit y avoir des énigmes à un moment donné. Dans les énigmes. Il faut réfléchir. Pas forcément, parce que regarde dans Destination Danger, ils avaient fait une salle qui cassait un peu aussi les... Bon, ils ont fait beaucoup de salles qui cassaient les codes des escape games, mais un où tu devais... c'était plus physique et tu devais justement... Pardon ? Otage. Oui, c'est celui-là. Là, il n'y avait pas d'énigmes. Le brief, c'est... tu es un otage, tu fais ce qu'il faut pour sortir. C'est ça. Débrouille-toi. Et tu n'avais pas d'énigmes dedans. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Fait. Je pense que ça ne te plairait pas. Finalement. Qu'est-ce que tu dis, Elena ? Bah, est-ce que c'est un escape game ? Tu vois ? Tu es enfermé, tu dois sortir, mais effectivement, ce n'est pas via... Est-ce qu'il y avait besoin d'une cohésion d'équipe ? Parce que moi, je trouve que ça, c'est un critère aussi. C'est-à-dire que quelque chose que tu peux faire tout seul en résolvant les énigmes une par une, dans le temps, hein, je parle, si tu peux le faire tout seul en 4 heures, oui, bon. Ça peut être un escape, mais c'est pas le but. Donc là, t'es enfermé, tu dois t'échapper, juste tu dois trouver peut-être le moyen de, je sais pas, d'enlever tes cordes, j'en sais rien. Si t'es tout seul à le faire, c'est pas un escape, quoi. Bah, il y a l'Oft 13, tu le fais. Oui, l'Oft 13 à Phobia. Tu peux la jouer seul. Ouais. Qui est faisable à seul ou à deux. Et il y avait Spirit Escape qui avait comme ça une salle que tu faisais seul aussi. Mais pour moi, il me manquait quelque chose. J'avais lu une super review là-dessus et je me suis dit non, moi j'ai envie d'être avec des gens, quoi. Après, je fais le parallèle. Moi, je viens plutôt du monde du jeu de société à la base. Et tu dis jeu de société, tu vois, ta société. Et pourtant, je joue à plein de jeux en mode toute seule. Solo. Ouais, en mode solo. Et c'est une autre expérience. Voilà, c'est différent. Je le casse quand même dans la case jeu de société, mais j'ai du mal à comparer, voilà. Donc là, ça peut être pareil. Par exemple, les jeux d'escape comme Unlock ou Exit, est-ce que vous les casez comme des escapes ? Non, c'est des jeux. C'est des jeux de société. Voilà. Ouais, sur le thème de l'escape au final, parce que tu dois trouver des codes, tu dois trouver des, voilà. T'as des manipulations, etc. Ça reprend certains codes, mais ça peut pas être un escape dans le sens où c'est pas, t'es pas dans un univers, t'as pas une immersion dans un lieu, c'est sur ton jeu. Mais après, il y a une certaine liberté qu'il faut avoir. Je pense que si moi, je trouve qu'une des salles, c'est Super Game Colors, l'atelier des énigmes, qui est vraiment une salle à énigmes que je ne classerais personnellement pas comme escape, mais où tu peux. Mais je pense que quelqu'un qui la classerait, ça me choquerait pas. Je trouve que c'est important qu'on ait cette ouverture, finalement, de dire si toi, pour toi, c'est un escape, ok. Pour moi, ça l'est pas forcément. Je pense qu'on a tous nos codes. Et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant, finalement, de voir un peu ce que d'autres disent et il y a des sites qui mettent une jauge entre réflexion, manipulation pour voir s'il y a toutes ces choses-là que tu aimes bien ou pas, quoi. Mais le jeu de société, oui. Pardon, allez-y. Et est-ce qu'il faut une limite de temps pour un escape ? Ou est-ce que c'est optionnel ? Au début, tu vois, quand j'ai réfléchi, je me suis dit oui, tu...
tu vas pas rester 3 jours sur le truc. Après, moi j'ai beaucoup aimé chez Unleash quand il m'a dit bon bah enlevez vos montres, oubliez le temps. Juste cette phrase, oubliez le temps. J'ai dit bah ouais, en fait c'est ça que je veux. Oubliez à côté et oubliez le temps. Après je sais que c'est construit pour que ça tienne en une heure et quart. Je sais qu'il va mener le jeu pour que ça tienne un peu dans ce timing là et ça me convient. Mais après dedans, j'ai pas ce méga chrono et ça me va bien. Donc ça répond en fait à ce qu'on disait au début, l'histoire. Après, le temps est souvent lié au fait que les gérants doivent enchaîner les sessions pour pouvoir avoir du monde, etc. Mais c'est vrai qu'on commence à voir certaines enseignes qui vont pousser un petit peu plus, qui vont pas te bloquer, ce que tu disais, en une heure, mais qui vont te faire faire la salle en 1h05, 1h10, et qui vont réussir à faire leur session suivante. Mais le gros souci du une heure, en fait, pourquoi c'était une heure, c'est parce qu'ils veulent ils veulent pouvoir faire du monde. Pour bah forcément que leur business fonctionne derrière aussi, parce que sinon c'est plus compliqué pour eux s'ils font des sessions d'une heure et quart et qu'ils te laissent jauger entre une heure et quart la session quoi. Mais tu as aussi des enseignes qui par exemple pour gérer ça font des salles qui se suivent, tu fermes toujours la porte d'avant, le cabaret des deux mondes par exemple fait ça, et en fait ils peuvent faire entrer une autre équipe au début pendant que toi t'es dans deux espaces plus loin, ce qui quand toi tu es lent, c'est très embêtant parce que tu entends les gens dans la salle juste avant ou le rangement dans la salle juste avant. Mais c'est quelque chose qui se fait aussi, pour gérer le temps. Mais vous parliez de jeux de société. Combien de vous étaient joueurs ludistes, hein, qui sont ludistes? Combien d'entre vous aiment les jeux de société? Voilà. Je pense qu'il y a... Et combien jouent des jeux ordinateurs? Qu'est-ce que t'appelles jeu ordinateur de tout ce qui est MMO, jeu vidéo, peu importe tout ce qui est. Moi, je me restreins, sinon je ferai que ça. C'est ça, on n'a pas passé beaucoup aussi. J'ai arrêté. J'ai arrêté tout ce qui était ordinateur. Je suis dans le jeu de société. Et parce que j'ai entendu plus loin, parce que c'est moins seul en fait le jeu de société que ouais quand t'es normal. Et combien étaient rôlistes, donc joueurs de jeux de rôle ou de roleplay, ou parce que vous parliez tous d'immersion. D'accord. Moi j'en ai fait, mais j'en faisais pas énormément. T'as pas accroché. D'accord. Non. Mais est-ce qu'il y a un lien pour vous entre les jeux et l'escape? Oui, bah ça demande de la réflexion et faire des liens entre des choses. C'est ça les escape games en fait. C'est faire des liens entre les différents éléments pour pouvoir avoir un but. Et puis le fait de se retrouver, le fait de partager un moment convivial, la réflexion autour de certains jeux, ou parfois pas trop de réflexion non plus, mais voilà, de passer un bon moment ensemble avec... Après, il y a jeux et jeux, et je pense que les jeux à l'ancienne, comme le Monopoly, la Monopoly et compagnie, ça n'a rien à voir. Mais les jeux... Non, je pense qu'on est tous d'accord qu'on parle des jeux modernes. Le point commun que je fais entre les jeux modernes et les escape games, c'est qu'il y a un scénario, il y a une histoire, ça te raconte vraiment quelque chose et il y a une immersion. Tout ça dépisement. Passe par les illustrateurs, par le graphisme, toute l'histoire que tu peux avoir. Oui, c'est ce qu'on dit. Ce que je disais, moi, pendant un temps, on avait tendance à expliquer les règles d'un jeu en disant, là, tu as des points de victoire. On prenait pas les bons mots, si tu te rappelles, François. On prenait pas forcément les bons mots donnés par les auteurs, etc. On ne racontait pas l'histoire qu'il y avait derrière et on s'y perdait parce qu'on enchaînait les jeux et on parlait toujours de points de victoire, de perte, de voilà. Et on a des auteurs qui font plein de merveilleuses choses autour et il faut ils racontent une histoire en fait, c'est ce que tu disais. Et il faut aussi quand on fait nos jeux de société maintenant, on s'efforce de raconter ces histoires et je pense que depuis qu'on fait des escapes, on les raconte beaucoup plus quand on joue à nos jeux. Et d'ailleurs, on fait attention moins de détails. Quand on parlait du temps, en tout cas pour moi en tant que joueur, la pression du chronomètre fait que quand je trouve par exemple dans un lieu abandonné le journal de la personne qui était ici, dans un escape game, je lis clairement en diagonale parce que je cherche les choses qui serviront pour l'énigme. Et finalement, je ne prends pas le temps de bien lire ce qui a été écrit et de me plonger dans l'histoire qui a été inventée pour ce personnage. Et s'il n'y avait pas la pression du temps, je pense que je prendrais plus le temps de vraiment m'immerger dans l'univers qui a été créé par le créateur de la salle.
Il y a certains escapes qui te posent des questions après sur l'histoire. Ouais. Et on en avait fait en Angleterre où vraiment le but c'était de comprendre toute l'histoire et puis on te posait genre toutes les 10 minutes, t'avais une question qui venait sur le tableau, fallait les répondre correctement et puis après ça te faisait des points. Ah, j'adore ça, moi, parce que j'adore l'histoire, j'adore. Ça dépend de la longueur du texte, mais moi j'adore. Bah... On l'a perdu. Mais c'était absolument génial parce que tout le long, on était vraiment occupés, on était amusés et c'était génial. La plupart des escapes qu'on a perdues, on s'est vraiment amusé dedans. Et justement, c'est des salles qu'on a vraiment bien aimées. Mais nous, à Escape Express à Tours, on a aussi ce principe de questionnaire à la fin de la salle. Où il te pose des questions sur les choses que tu as vues ou que tu as comprises, et tu as une dizaine de questions à chaque fois. Alors, c'est pas spoilé, parce qu'une fois qu'on a fait une salle, c'est dans leurs habitudes. Mais voilà, c'est aussi intéressant, et on oublie même, quand on y va, on oublie qu'on va avoir un questionnaire à la fin. Et au final, se rappeler de tous les détails, c'est assez intéressant. Et ça nous permet de revivre la salle aussi un peu. Il y a une autre enseigne, Escape du Dragon. Où, à la fin, effectivement, il te demande de re-raconter l'histoire, d'essayer de retisser l'intrigue. Mais par contre, ils ont tellement bien chiadé leur scénario que il faut avoir été très impliqué pendant une heure et demie pour réussir à tout restituer. Parce que c'est vraiment pas ce qu'ils ont fait. Et une enseigne qui est top aussi, c'est La Roche-sur-Yon, on n'en a pas parlé. C'est vraiment une enseigne que les joueurs doivent aller à tout prix, c'est Échappe-toi. Et il y a des très très bonnes salles, elles sont top. Et il y a ce type de questionnaire aussi à la fin qui permet de marquer des points par rapport à une histoire. Et d'ailleurs, la salle est top. J'ai plus le nom de la salle, mais elle est vraiment géniale. C'est une enquête policière qui est top. Ok. Alors à La Roche-sur-Yon, c'est Échappe-toi si tu peux. Échappe-toi si tu peux. Je pense que c'est celle-là que tu parles. Exactement. Et ils sont pas que à La Roche-sur-Yon, je crois. Non, il y a Loi aussi. Il y a Loi aussi, pareil, qui fait une super salle sur le cartel, qui est vraiment top. J'avais adoré. Enfin, après, il y a quelques années, mais parmi les premières salles, c'était vraiment une salle topissime. Et je pense que tu parles du trésor de Montezuma, non? Non, alors ça c'est pareil, c'est une très bonne salle qui est sur les temples mayas, donc une très bonne salle avec super immersion, vraiment un super décor et des jolis mécanismes. C'est planifié, j'écris, je note. Mais oui, ils sont dans les Game Awards, ils ont alors en Chorion, vous pouvez quasi toutes les faire, elles sont vraiment top. J'ai dû en faire, je les ai quasi toutes faites là-bas. Elles sont vraiment, vraiment géniales. Je suis pas très loin, je peux vous dégager si vous voulez. On se les fait ensemble. C'est pas fait non plus. Et du coup, quelles sont vos prochaines salles là? Quelle est la prochaine salle que vous voulez jouer? Moi, je pense que c'est le passage à Bordeaux. Ça fait longtemps qu'on en parle et celle-là, il faut que je la fasse. Moi, ce serait plutôt Pandore. Pandore et associé. On n'en a pas encore parlé, mais voilà. Pandore et associé. On devait la faire au mois de novembre, mais voilà, on l'a pas faite. Ça ne sera sûrement pas la première que je vais faire, mais voilà, c'est celle que je voudrais potentiellement vraiment faire. Alors, moi, je vous ai mis des indices. Donc, je pense que tu as ta réponse au tien, là. Je ne sais pas si tu le vois, ma boucle d'oreille qui est si vous la voyez. Ouais. Donc, oui, effectivement, Pandore est associé que je porte aux oreilles depuis tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est une de mes deux prochaines salles que je veux jouer. Et l'autre, je vais essayer de vous la montrer aussi parce que je l'ai fait en indice, mais c'est plus compliqué. Il faut deviner ce que c'est. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir le petit oiseau en origami. Ah. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Origami en japonais, oui. Yakuza, exactement. Ouais. Merci. J'ai essayé, j'ai essayé de jouer le jeu des énigmes et des indices, mais bon. Et oui, Yakuza et Pandore et Associés sont les deux. Donc Yakuza chez One Hour sont les deux salles qu'on avait réservées. Et pour samedi, non, ils avaient fermé. On a fermé mercredi, donc oui, j'attends. Donc. Et vous? Bah, moi j'ai même voilà. Nantes, allez, là. Vas-y. Ouais, pardon, vas-y. Non, non. Vas-y. Non, mais je disais, la fameuse journée avec du coup j'ai la Ligue, j'ai Living Time, je crois qu'il y a un scénario Harry Potter, il y a
La Noche de los Muertos. Non, Living, c'est Pape. Ouais, non, mais je te dis, ouais, j'en ai plusieurs. Ah, okay. Il y a Tadam, ouais. Tadam Escape, ils ont trois, c'est sympa. Ouais. En fait, on en fait deux chez la Ligue, parce qu'en fait, la fille avec qui je joue, c'est la pote des créateurs, donc elle a déjà joué toutes les salles là-bas. Et il m'en reste que deux. D'accord. Donc deux à la Ligue et puis le reste, voilà, on va se balader un petit peu, puis on viendra pour en faire d'autres. En Paris, moi, je suis de Tours, je suis pas très loin. Hein. Ouais, parce que là, moi, c'est un petit peu difficile de, à chaque fois de motiver du monde. Là, ils étaient bien motivés, mais voilà. Pour Robignon, voilà. Ouais, il y a ça. Et puis, surtout Artifact. Hein. Moi, c'est celle qui me motive beaucoup depuis longtemps. Mon petit frère habite à Clichy, donc à chaque fois, je dis, il faut qu'on y aille. Ouais. Oui, il faut trouver un créneau. C'est clair. Si tu peux t'intéresser. Ah, bah, écoute, on est sur le même groupe, je crois. Manu, toi, c'est quoi? Du coup, comme François, le vestige archéologique chez le passage, donc je l'avais réservé. Bon, il y a eu le confinement, donc ça sera pour un prochain voyage, mais bon, les réserver. Il y a aussi la maison 1408 à Talence. Donc Talence, ils font des très bonnes salles et Vie Hostel, enfin c'est du coup l'ancienne, c'est Vie Hostel. Et j'avais adoré la chambre 1408 et c'est quasiment la salle horreur qui m'a le plus stimulée, elle était vraiment bien amenée, un joli scénario, donc ouais, la maison 1408, et donc du coup elle est déjà sortie celle-là, parce que ça me dit rien du tout en vrai. Écoute, visiblement, alors je pense qu'elle est déjà sortie, donc je suis tombé dessus par hasard, parce que je faisais le tour des escapes à Bordeaux et je commençais à anticiper mon voyage, mon prochain voyage à Bordeaux, donc du coup j'ai réservé beaucoup d'escapes, mais comme j'en ai déjà payé énormément, j'ai mis un peu d'argent de côté, donc je vais en profiter pour aller faire la maison 1408. Et ça me tente aussi, dis donc. Parce que j'avais joué la salle et... Et Aya Maxime ? Nous, on est un peu en pause en ce moment parce que on a un achat immobilier qu'on est en train de faire en Suisse. C'est notre groupe actuel. Mais là, on est bien en manque, alors n'importe lequel ferait l'affaire. Non, mais je pense que j'aimerais bien faire la mafia du dimanche. Quelle enseigne à Lyon. Est-ce qu'il y a Évasion ? Mission Évasion. Mission Évasion. Parce que on vient de Lyon, mais qu'on n'a jamais eu le temps de la faire. Elle était tout le temps réservée à l'avance, etc. Donc là, j'aimerais bien faire celle-là quand même. Unleash, parce que je suis vraiment très curieuse. J'en ai beaucoup entendu parler. J'aimerais savoir, tenter l'expérience. Il y en a un en Louisiane que tu voulais faire. Ouais, mais ça, c'est... Oui, bâton rouge. Ouais, mais là, on est plus dans le difficilement réalisable, quoi. Peut-être un voyage en Grèce, ça j'aimerais beaucoup. Ouais, un nouveau voyage. Y retourner et puis vraiment. Barcelone. Barcelone. On avait pas. Ouais, c'est Barcelone, on va faire. Bien sûr. Et Yo, toi? J'avais dit, c'était ça qui était prévu initialement, c'est-à-dire Pandora associé, Unleash, One Hour avec Yakuza. Les trois qu'on avait planifié sur novembre et qu'on a pu faire. Dès qu'on peut les refaire. Alors, honnêtement, on pensait passer une heure avec vous. On est presque à 4 heures. C'est un truc de fou. Du coup, moi, j'ai passé 4 super bonnes heures et je voudrais vous faire une proposition indécente. On n'a pas joué, je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà joué en visio, mais il y a Escapaz au Canada, Montréal, hein, qui a sorti leur nouvelle salle Prisonnier du Temps, le Barbier. Qui est sur Sweeney Todd, et on voulait vous proposer de qu'on se la joue ensemble, soit en deux équipes 4 et 4, soit qu'on se la joue en fonction de combien on sera. Donc voilà, c'est pour savoir si ça vous tente, pour ceux qui n'ont pas encore tenté la visio. Ah, Manu ne lève pas de main. Elle est anglophone ou pas? Voilà. Oui. Non, elle est en français, c'est pour ça qu'on vous la propose. Elle est en français, je te dis oui. Oui, okay, moi aussi c'est pareil. Il faut qu'elle soit en français. Tu veux bien l'accent québécois, c'est pas grave. Non, ils ont trois salles et c'est celle qu'on n'a pas encore jouée, donc oui, elle est en français. C'est pour ça qu'on vous la propose. Ah, trop chouette. Donc oui, c'est bon. Rendez-vous pris. Yes. Ouais. Rendez-vous pris.
Bon, au bout de presque 4 heures, je pense qu'on va arrêter Bon, je vois que c'était pas du live. merci à vous tous d'être venus. Ouais. Et puis, je pense que nous, on peut rester chatter. Hein. On n'a pas besoin que de rester pendant que ça filme. Oui, oui, et, voilà. Ouais. Mettez des commentaires, likez, suivez, critiquez. Abonnez-vous. Posez-nous des questions que vous avez envie d'aborder. Si vous avez envie de jouer avec, si vous voulez jouer avec des gens de chez nous, dites-le nous. Pas sûr. On ne sait jamais. Hein. On est ouvert. En tout cas, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Merci. À bientôt. Salut. À bientôt.